parce que j'aime bien les mélanges, que toi qui as chanté, qui as fait plein de duos dans ta vie. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas encore chanté avec Fad et Freddy. Tiens, ça rime. Ah, ça sera avec plaisir. Ça sera une bonne idée. Tu veux pas essayer de faire ça? Tourner quelque part. Allez. Et puis tout à l'heure, évidemment, on parlera des autres duos qui sont sur ton album. Né quelque part, évidemment, la chanson de Maxime Le Forestier, interprétée par Angoun et Fada Freddy. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est parti quand on veut, revenir quand on part. C'est go endroit, à l'endroit où ils naissent. Est-ce que les gens naissent go endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent go ou pas? Choisis pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Superbe duo. Merci. Merci beaucoup, Fade Freddy et Angoun. J'espère que Maxime, et je suis sûr que Maxime, a aimé cette version. Merci, merci beaucoup. Alors, toi, Amanda, tu peux nous faire de la Eh bien, promo. La plus française des chanteuses indonésiennes, la sublime Angoun, revient nous conter des histoires avec sa voix hypnotique dans un nouvel album qui s'intitule « Toujours un ailleurs ». C'est un album aux sonorités pop world et c'est un très bel album sur lequel on retrouve un très beau duo, nos vies parallèles, avec Florent Pagny. Et puis Et Yuri qui les accompagne. Voilà.
presenti. C'est un très bel album qui est une invitation à découvrir l'autre, à découvrir le monde. Voilà, ça se consomme sans modération. Oh, merci. Sans modération. Il y a actuellement un spectacle à Paris qui se consomme sans modération aussi. Je sais que c'est complet. Et là, ah bah tiens,